essayer de voir quel est l'impact du numérique sur les territoires est important aussi du point de vue de la valeur économique et financière. Dans quelle mesure le numérique peut permettre de développer de nouveaux modèles économiques, peut-il permettre de créer de la valeur, des emplois dans nos territoires? C'est l'objectif de cette table ronde numéro 2 que de traiter cette question. Le point de départ est évident. Nous sommes dans un contexte de révolution numérique. Le numérique change complètement nos vies, nos façons d'agir, nos façons de produire et de consommer. Qu'en est-il dans les territoires? Ici, nous aurons un double objectif. Tout d'abord, nous essaierons de faire un état des lieux pour essayer de cerner dans quelle mesure les politiques de territoire intelligent et les infrastructures permettent de renforcer la compétitivité des territoires, leur capacité à attirer de l'activité, à développer de nouvelles activités économiques et d'emploi. Ce sera évidemment une entrée importante à laquelle on pense tous, dans la mesure où le numérique paraît être la nouvelle ressource pour produire et consommer. En même temps, il sera intéressant de contraster cette vision dans laquelle on met l'accent sur la technologie et sur les infrastructures, en pensant que sur les territoires, il est aussi possible de permettre aux individus d'accéder à des moyens d'être connectés avec le monde entier. Et là, on voit apparaître un mouvement qui est très intéressant, qui est notamment le mouvement des tiers-lieux, qui va permettre de doter les différents territoires, même des territoires ruraux ou des territoires à faible densité de population, les doter de lieux qui vont permettre aux individus d'être dans de bonnes conditions de travail pour interagir avec l'extérieur, voire avec le monde entier. À partir de là, vous voyez que dans cette table ronde, d'un côté, nous essaierons vraiment de cerner le rôle et l'impact du numérique, mais en prenant en compte que parfois, le numérique nous permet d'être présent mondialement en étant ancré localement. Et à ce moment-là, les collectivités ont la possibilité de penser de nouvelles façons d'agir localement.